la mobilisation des recettes internes. Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources mobilisées. Lutter contre l'insalubrité. Améliorer la sécurité de nos citoyens et de leurs biens. Améliorer les conditions de travail dans vos structures sanitaires. Améliorer les conditions de travail dans nos écoles élémentaires et secondaires. Améliorer l'accès à l'eau potable. Procéder à l'ouverture progressive des voiries urbaines. Améliorer les conditions de vie des jeunes et des femmes. C'est pourquoi nous tendons la main franche à toute la population de Mandiakina en général et en particulier les jeunes et les femmes et à tous les acteurs du développement, y compris les ressortissants. Les sociétés minières, les partenaires techniques et financiers et les organismes au développement. Quant à nos respectifs notables et religieux, nous sollicitons vos conseils, vos orientations et vos bénédictions qui vont nous faciliter l'atteinte de nos résultats. Mesdames et messieurs, pour terminer, je m'engage à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance portée à ma modeste personne. C'est pourquoi je sollicite encore l'accompagnement de l'autorité préfectorale, des jeunes, des femmes et de toute la population de Mandiakina pour faire de la commune urbaine de Mandiakina la meilleure commune du pays. Vive la République! Vive le général Mamadi Doumbia! Vive le CNRD! Vive la préfecture de Mandiakina! Vive la commune urbaine de Mandiakina!